Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, un nouvel épisode de notre Let's Play sur Warhammer 40K Battle Sector, et on est arrivé à la mission Frère Kindar. A priori, le frère Kindar nous a quittés. Ça y est, il est malheureusement en transe, et a priori, la mission s'appelant Frère Kindar, je pense que là, on va devoir prendre le contrôle du frère Kindar qui est en pleine furie, ou probablement un truc comme ça. Ça n'a pas l'air bien, ça n'a pas l'air bien. Ça n'a pas l'air bien du tout. On est parti. Nous poursuivons Frère Kindar, ses pouvoirs Psyker lançant le lourd Dreadnought devant nous. Les cadavres des tyrannides sont mis de côté comme des poupées de chiffon. Nous nous enfonçons dans les ruines et nous perdons l'archiviste dans les salles obscures de cette ville morte. Ah. Des ombres glissent sur nous. Le test des Xeno, l'aspiration, la feinte. Mes frères les mettent en pièces. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'obscurité ne se déchaîne et ne nous écrase tous. Une explosion. Kroginax fonce devant, le Tech Marine plus souple que je ne l'ai jamais vu. Nous courons et nous sommes confrontés à un tableau violent, à la fois beau et tragique. Ok. Donc frère Kindar, le choc de la mort de Sanguinus au plus fort de l'hérésie d'Horus a envoyé des ondes de choc psychique à travers toute la 9ème Légion. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette trahison résonne dans les génogermes des Blood Angels. Lorsque ce contre-coup psychique devient trop fort pour un frère de combat, il se perd dans les hallucinations remplies de rage et succombe à la rage noire. Même ceux qui sont enterrés dans le cercueil d'un Dreadnought ne sont pas à l'abri des risques inhérents à leurs génogermes. Même si l'existence de la rage noire n'est pas tenue secrète, les Blood Angels tentent de minimiser les preuves de l'existence de la faute devant les non-membres du chapitre, surtout lorsque des psychers sont impliqués. Oui, c'est bien l'armée rouge mélanchoniste mangeuse d'enfants, ça, n'est-ce pas? Donc j'avais un peu tort, a priori. Sanguinus n'est pas vraiment dans une torture éternelle, c'est plutôt qu'il y a le souvenir de sa mise à mort et des souffrances assez vénères qu'il a pris qui continue en fait de faire un écho. C'est plus le souvenir qu'une mort continuelle, genre dans le warp ou je ne sais quoi. C'est juste le souvenir qui est tellement traumatisant que même 9 siècles après, bah, ça continue à taper tous les Blood Angels en fait. Joie. Donc du coup, ouais, c'est le fun quand même, c'est le fun. Et donc, bah, malheureusement, Kindar a succombé. Kindar a succombé à la rage noire. Ça y est, il s'est fait bouffer par, par ses souvenirs et il est en train de tuer en mode berserk tout ce qui traîne autour de lui. A priori, pour l'instant, c'est surtout des tyrannides. C'est bien. Ça m'arrange. Ok. Tyran des ruches, le tyran de Baal Fortunata. Ah, Abakindar, au revoir. Tuez-le, tuez-les tous, qu'aucun d'entre eux n'atteigne le corps de frère Kindar. Donc ça y est, nous avons trouvé la saleté de tyran de merde là, et il vient de tuer Kindar. Vraie question, il n'y a pas des technologies perdues analysées dans ses souvenirs? Probablement, mais on ne le fait pas en fait, parce que en fait, il y a... Alors, déjà, au 30e millénaire, il y avait des technologies qu'on n'a déjà plus au 40e, qu'ils ont décidé d'oublier. Mais surtout, quand tu te plonges dans les souvenirs de la mort de Sanguinus, tu vas peut-être voir des technologies, tu vas pas forcément comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, puisque tu vas surtout voir les résidus russes, tu vas voir les gens qui sont en train de tuer d'autres gens et de les massacrer, de les prendre en traître. Donc déjà, c'est pas forcément fifou en termes de compétences militaires derrière à récupérer des informations, quoi. C'est pas forcément très probant. Tu vas pas forcément voir comment fonctionne la technologie, tu vas juste voir le tir que tu prends dans les dents, quoi. Donc, bon, voilà. Et à côté de ça, en plus, plus tu vas te plonger dans les souvenirs, plus tu vas te laisser bouffer par les souvenirs et du coup tomber en crise. Ce qui n'est pas forcément idéal. Ce qui n'est pas forcément idéal. Faut que j'aille faire quoi? Faut que j'aille chercher le corps de Kindar. Il est où le corps de Kindar? Jean-Michel? Jean-Michel, le corps de Kindar? Je pense qu'il doit être au milieu. Non, ça c'est de l'eau. D'accord, très bien. Il est peut-être au milieu. Oh là là, il y a tellement des trucs vénères partout. Il y a tellement des trucs vénères partout. Pop, pop, pop.
Vous, les Inceptors, vous allez venir par là. Vous allez vous avancer par ici. Le prédateur Baal, tout ça, ouais. Le prêtre sanguinien, ouais. Les intercesseurs, ouais. Par ici, vous. Tech Marine, oui, je vais vous mettre par là. Comme ça, d'ailleurs, plutôt. Le lieutenant Carléon, il va venir sur le côté, je pense. Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de machines aussi. Hein. Les intercesseurs par là. Le lieutenant Carléon, sur Verity, tac. Comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. C'est bien, Kindar, super pour l'appareil photo. Ouais, il a fait une belle pause hein, quand même. Au moment de mourir, il s'est mis bien, histoire qu'on le voit bien, qu'on le manque pas trop, donc c'est cool. Ça va être... Ah, je ne connais pas ce type de mission. Bam, again and again. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc, on a du Tyrannofex. Le corps est au milieu, ok. Et du Tyrannofex, très bien. Alors, le Tyrannofex, c'est ce qu'on va taper assez rapidement, droit dedans. Droit dedans. Par ici, on va s'avancer. Tac, tape là-dedans. Tape là-dedans, tape là-dedans. Voilà, réduis ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Tac. Ah non, mais ça fait pas de dégâts en fait. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. C'était nul. C'était nul. Tac, tire dedans. Hop, on s'avance. On va venir le réduire un peu. On va venir le réduire un peu. Ça derrière, c'est quoi? Gen Stealer. Ouais. Ok. Ça, c'est quoi? Tac, on va faire ça. On va faire ça. Et on va venir taper là-dedans. Oui, pour la gloire de Sanguinius. Ah, 22 PV qui lui reste. Saleté, va. Allez, achève-le. Bam. Très bien. Très bien, mon coco. Très bien, mon coco. Toi, tu vas t'avancer. Toi, tu vas t'avancer. Il y a des saletés par là, on va venir voir. Là, c'est un archiviste Dreadnought. Ça va être bien. Fais des trous. Fais des trous, fais des trous, fais des trous. Allez, on refait des trous. Voilà. Très bien. Ça, c'était bien. Sœur Verity. Tu vas aller vers où, Sœur Verity? En vrai, tu vas t'avancer, hein. En vrai, tu vas t'avancer. Et là, en vrai, on va venir mettre des coups d'épée. On va venir mettre des coups d'épée là, c'est pas intéressant. Donc vous resterez en attente. Ouais, petit mal à deux en plus, c'est pas foufou. Je peux pas les taper? Mais non. Bon, bah on va tirer dedans. On va tirer dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais pouvoir taper à l'épée, mais en fait, ils considèrent que je peux pas y aller. C'est pas grave. C'est pas grave. Ici. Alors. On va commencer par pas tirer là-dedans. Ça ne sert à rien. Je vais un peu baisser les Gen Stealer. Je vais un peu baisser les Gen Stealer. On va avancer comme ça. Là, tu me les réduis, tu me les vides. Voilà, cassez-vous. Très bien. C'est un bon plan. Ensuite, vous, mes loulous. Vous, mes loulous, vous allez venir ici. Vous allez venir ici et taper dans son dos. Là, le Tyrannofex, moi, j'aime pas trop ça. Hein, donc, on va s'en débarrasser vite fait, bien fait. On va s'en débarrasser vite fait, bien fait. D'ailleurs, en vrai, ouais, on va juste venir ici, hein. On va juste venir ici, taper dedans. Si je m'avance là, c'est peut-être un peu mieux. Non. C'est pas grave. Kroguignax, mon loulou. Tu vas venir par ici.
Toi, t'as un fuseur quand même, hein. Toi, t'as un fuseur, tu vas venir là et tu vas taper dedans. Hein. Avec ton petit fuseur là. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir réussir à le buter. Je suis pas sûr de pouvoir réussir à le buter et ça me dérange un peu. T'as tiré à côté, mais t'es sérieux? Mais t'as échoué à tirer sur lui? Mais t'as échoué à tirer sur lui, quoi. Mais tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, Billy. Ah, tu me dégoûtes. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Tiens, toi, tu vas le taper. Voilà, les archivistes, fais des trucs. Fais des trucs mieux que les autres. Parce que c'est vraiment des grosses merdes. C'était bien. Je suis fier de toi. C'est mieux. C'est mieux que tous les autres. C'est mieux que tous les autres. Parce que vraiment, ils sont pas bons. Hein. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. D'ailleurs, vous, je vais vous faire déplacer après. Hein. Je vais vous faire déplacer par là. Toi, tu vas me les éliminer. Voilà. Merci. C'est bien aimable. Mais le Tyrannofex, du coup... J'aime pas trop ça. Ouais, on peut tirer là-dedans. On pourrait peut-être tirer là-dedans. On va tirer là-dedans, hein. Pas le choix, hein. Pas le choix, pas le choix. Et puis bah là, on va tirer là-dessus. Enfin, on va tirer. On va couper. Prouch. Ouais. Et reprouch. Allez. Voilà, très bien. Il reste plus que 3. Il en reste plus que 3. Et on est d'accord que tout le monde a fait ses actions, hein. Ah, mais la déception de Billy là-bas. La déception de pas avoir bien tiré sur le Billy. Je pense que le tir n'aurait pas raté. En vrai, je tuais le Tyrannofex. Je pense que le tir n'aurait pas raté, je tuais le Tyrannofex. Ça me dégoûte du coup. Ça me dégoûte. Là, si le tir ratait pas, 180, je pense que je l'avais. Hein. 135 à 180. Ah, peut-être pas. Mais je lui aurais mis la douille. Mais je lui aurais mis la douille. Quel enfer. Tu as la flûte magique pour tirer à Ronflex. Non. Je suis un imposteur, j'ai fait aucun Pokémon. Non mais j'ai jamais fait un seul Pokémon, j'aime pas les Pokémon. J'ai jamais été fan des jeux Pokémon. Oh, pas mal. Le tir plasma, ça marche bien. En vrai. C'est efficace. Hein. C'est efficace. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Ah. Abouer. Il a mis un tir de retour ou pas? J'ai pas fait gaffe. Bon, ça c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Petit réflexe, j'apprécie toujours. J'apprécie toujours. Bon là, ils viennent attaquer l'archiviste, ça j'apprécie moins. Oh l'échec! Oh l'échec! Oh l'échec! L'archiviste qui a fait... Non, non. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Moi, ça me plaît, hein. C'est très bien. Hein. Ah, allez. Oh, allez, très bien. Mais très bien, Coco. Mais très bien. Ah, franchement, le mouvement était nickel. Rien à redire. Rien à redire, c'était parfait. C'était parfait. Pam 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 pam. Ok. Faudrait que je vienne récupérer quand même le cadavre hein, de Kindar. On va pas le laisser aux mains des Xeno quand même. Hein. Oh, le surveillance. Très bien. Allez. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va éliminer tout ce beau monde. Hein. Ah oui. Bon, ils font pas grand chose comme dégâts. Hein. Même si 28 PV ça pourrait être beaucoup sur d'autres, en vrai là, pff, c'est pas grand chose. Hein.
C'est pas grand chose, c'est du blindé, bien blindé, il y a pas mal de PV dedans, donc un peu aux F, un peu aux F. Ah! Oh! Oh! Oh, comme tu leur as mis de la douille! Ah, oh, c'était bien! Par contre, ça fait mal. Alors, ça fait mal, et encore, eux, c'est ceux qui ont le plus de PV, donc en vrai, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Parce qu'ils sont vraiment très solides, eux. Ils sont vraiment, vraiment très, très solides. Oh, les esquives que se tape l'archiviste! L'archiviste qui a dit non, non, mais je prendrai pas de dégâts, en fait. Vous avez pas compris. Je ne prendrai pas de dégâts. Point. Évidemment, le petit poison de merde, avec du coup le malus au tir. Évidemment! Évidemment! Alors! On va venir par là. Et on va faire vision de fureur angélique. Bam! Allez! Plaisir d'offrir. Hein. Et. Bah en vrai. Je vais l'achever lui. Hein. Je vais l'achever lui. Allez. Des bisous, Coco. C'était bien. Hein. C'était bien. Pour l'instant, je vais faire ça. Je vais m'avancer un peu. Tu tapes dedans. Voilà, très bien. Et il faudrait que je me rapproche de lui. Il faudrait que je me rapproche de lui. Donc, je vais venir par ici. Là, je vais venir par ici. En vrai, tapez là-dedans. Hein. A priori, c'est mieux. Allez, parfait. Parfait, parfait. Là, on vient là. On va mettre du PV d'abord. Bonjour, du soin. Jean-Michel, soin. Voilà, très bien. Et ensuite, peut-être pas le coup d'épée. Par contre, vous, vous allez prendre ça. Voilà, très bien. Parfait. Parfait. Et tu vas venir par ici. Vous, mon bon monsieur, vous allez venir par ici. Hop, hop, hop. Le petit Dreadnoughts Furioso. Et je crois que si je te mets ça, normalement, tu aimes pas. Voilà. Ça, c'est fait, comme on dit. On va venir s'avancer par ici. Alors là, je me suis un peu fait niquer dessus parce que du coup, ils m'ont vomi à la gueule et ça m'a mis un gros malus de visée. Donc, très chiant sur 20. Très, très chiant sur 20. Ah ouais, vraiment très chiant sur 20. Hein. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On va venir par là. On va venir par là et on va viser d'ici. Et je pense qu'on sera pas trop mal. 91, c'est bien. Bon, la 65 à cause du malus de poison, mais je vais l'achever du coup. De la chair à canon a été désignée. Pourquoi? S'ils peuvent plus tirer, ils peuvent arrêter les balles. Mais quel enfer, mais quel monstre! Monsieur, vous êtes un monstre! Sachez-le! Bon bah toi. Limine ça déjà. Voilà. Allez, bisous. Très bien. Toi, tu as ça ou ça? Bah, élimine ça. Allez, voilà, bisous. Très bien. Très bien, très bien. On va venir se mettre comme ça parce que je veux voir un petit peu ce qui traîne. Eux, ils vont m'attaquer si je bouge. Eux, ils vont m'attaquer si je bouge. Je vais détruire ça. Hop. Ah, tu les as pas achevés. Mais tu les as pas achevés. Bon bah tu vas achever eux. Voilà, merci. Merci bien. Là du coup, je suis déception quoi pour ce que t'as laissé comme PV. Allez, élimine-les. Mais mets pas les tirs à côté.
Mais... Ouais, mais en même temps, j'aurais dû me rapprocher pour tirer, en vrai. Voilà, merci. Merci. On va venir par là. On va venir par là. Et là, ils vont se prendre forcément un tir d'Overwatch. Mais il y a... Non, toi, tu vises par là. Donc, en vrai... Si je viens ici, il y a moyen que je prenne pas l'Overwatch. C'est possible. Ça dépend comment est leur Overwatch, en fait. Non, je le prends. Bon, c'est pas grave. C'est du blindé. Ça prendra très bien les coups. Et derrière, vous allez prendre très bien les coups. Oui, vous allez prendre très très bien les coups. Allez. Voilà. Même deux. Voilà, très bien. Très bien. Très très bien. Là, on s'avance. Et là, on va commencer à se rapprocher, en fait. On va commencer à se rapprocher avec quand même un positionnement au cas où par rapport à de potentiels ennemis. J'aime bien voir un peu le terrain. Vous, je vous ai fait déplacer autant que possible. Toi, tu t'es pas encore déplacé. Ah oui, c'est vrai. Et puis il y a eux. Bah, tu vas venir là et tu vas leur mettre des coups d'épée. Tu vas leur mettre des coups d'épée. En vrai de vrai. Hop là. Sprouch, sprouch. Sprouch. Paf, paf. Ah, je vois les différentes troupes comme ça, d'accord, très bien. Oh. Tac, tac, tac. Non, mais on va s'arrêter là-dessus. Hop, Overwatch. Ouais, ils prennent le coup de poison, forcément. Forcément, forcément. Ah, salut. Oh, t'es pas beau, toi, quand même, hein. T'es pas très beau, toi. C'est quoi, ce truc? J'en ai déjà affronté un. Ah, ah, oh, oh, 89 PV quand même. Ah oui, par contre, 63 en retour. Hein. C'est quoi ce truc? J'aime pas trop. Ah, ah, 103 PV encore. Ah bah, 98 PV dans les dents. Il l'attaque, hein, mais il reprend un coup, hein. Par contre, il m'a mis la douille, hein, quand même. Il m'a mis la douille. Il m'a mis un peu beaucoup la douille. C'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Hop, 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 hop. Il y a du gros monstre. Il y a du gros monstre. Ok. Alors, ils attaquent lui, ça me va. Ça me va. Ok. Très bien, très bien, très bien. Allez. Les déplacements, s'il vous plaît. Faites plus vite. On n'a pas tout le temps non plus. Faut vous bouger un petit peu, les tyrannides, quand même. On est pressés, nous. Il y a du monde, hein. Oh, il y a du monde, hein, quand même. Même si c'est pas des troupes ultra, ultra violentes, il y a quand même du monde. Après, il y a un gros qu'on a vu en haut à gauche. Et on n'a pas vu grand-chose d'autre de particulièrement massif. On a vu un élite assez vénère au nord, mais à part ça, ça va. À part ça, ça va. Wop, hop, hop, hop. Oh non. Oh non, des mines. Oh non, des mines. Oh non, des mines. Je déteste les mines. Je déteste les mines. Nul. Nul sur 20. Non, mais ça va les unités un peu Plus encore. Une mine. Elles appellent ça une mine. Allez. Allez, allez, on se bouge. Bon, bébé. Il y en a combien des tyrannides? Non, mais il y en a combien des tyrannides?
Alors, ils m'ont mis la douille, hein. Ils m'ont mis la douille. Alors, le blindé, ça va. Le prêtre sanguinien, beaucoup moins. Le prêtre sanguinien, beaucoup moins. Donc, toi, tu vas taper là-dedans. C'est quoi ça? Un seigneur des couvées. Et ben, en vrai, seigneur des couvées, tu vas lui mettre une baffe, hein. Allez, très bien. Très bien. Et tu me l'achèves, hein, s'il te plaît. Voilà, très bien. Parfait. Et du coup, je vais t'envoyer ici. Protéger le site. Ah, d'accord. Contre tous les Jean-Michel. Ok. Et ben, allons-y. Allons-y, allons-y. Mais merde, il y avait la mine. J'ai oublié qu'il y avait la mine contre lui. Bon, du coup, il a pris du dégât pour rien. J'ai pas fait gaffe, j'ai été débile. J'ai été débile. Bon, déjà, on l'a soigné. C'est pas mal. C'est pas mal. Fais ça. Toi. En vrai. Tu vas me faire un truc comme ça. Comme ça. On va les allumer sur la ligne. Allez. Très bien. Have fun, hein. Have fun. Et ensuite... il faudrait que j'aille les achever quand même. Je vais l'envoyer là en plein milieu en mode allez, vas-y. Ah oui, ils essayent une attaque. Et ils ont échoué, je crois. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à mettre de points de dégâts. Ah, ça c'est bien. Ça, ça nettoie, ça. Ça, ça nettoie, ça. C'est bien. Très bien. Là, on va se rapprocher. On va éliminer. Voilà, viens me réduire ça, là. Voilà, très bien. Très, très bien. Ok. Et tu vas pouvoir éliminer... Je pense que tu peux éliminer cela. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Très bien. Sœur Verity, ma chère amie, venez ici. Pareil, faites votre travail. C'est quoi ça du coup? C'est un Tervigon. Ah, qui fait des invoques. Que j'aime ça, que j'aime ça. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Voilà, tac, nettoie ça. Ah, et t'as repris du coup des trucs. Eh ben, tape là-dedans. Voilà, tape là-dedans. T'as éliminé 3 troupes de plus. C'est très bien. Toi, tu vas rester comme ça. Ok. Toi, petit coup d'épée. Tu peux les éliminer. Merci. C'est bien aimable. Toi, tu vas t'avancer. Tu vas tirer là-dedans. Et on va s'avancer vers le Tervigon. Il y en a Tyrannofex aussi. Génial. Génial. Quelle joie ultime. Tac, avance-toi. Et là, je peux taper dans prof 85, 85. On va taper sur eux qui sont devant. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Toi, tu vas t'avancer vers là. Toi, tu vas t'avancer vers là. Toi, tu vas t'avancer vers là. Vous, mon bon sire, vous allez vous avancer vers ici. Tu fais un sprouch. Voilà, salut. Salut, salut. Toi. Et ben toi, tu vas venir t'avancer par ici. Oh, et puis il y a un autre Tervigon ici encore.
Quel enfer! Quel enfer, quel enfer! 64, 47, 41, 68, 56. Donc 68 là, c'est le plus intéressant. Hein. 68 là, c'est le plus intéressant. 51, 64. On va taper là, 64. Avec un peu de chance, on va éliminer. Pas trop mal. Pas trop trop mal. Toi, le Dreadnought Furioso, tu vas t'avancer pour pouvoir être prêt à tirer avec le fuseur. Toi, tu vas t'avancer. Toi, tu vas t'avancer là-dedans. Ouais, tu vas t'avancer vers là. Coucou les petites bestioles. Ah, surveillance par contre. Shot. Il m'a supprimé un point de mouvement, mais c'est pas grave. C'est pas grave, normalement je les défonce. Oh oui! Ho 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 ho! Oui, 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 tu les as bien massacrés! Pas mal, hein. Pas mal, hein. Tac, viens là. On va essayer de spooch là-dessus. Voilà. Allez, hein. Allez. Allez, allez. Tac, on se met comme ça. Et globalement, j'ai fait jouer tout le monde. Donc là, on va quand même prendre un peu la douille. Hein. On va quand même prendre un peu la douille. Malheureusement, pas trop le choix. Pas trop le choix. Il y a trois gros. Il y a deux Tervigones qui vont faire spawn et un Tyrannophex. J'aime pas beaucoup ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas pu taper dedans. Pas du tout. J'ai essayé de réduire un peu la quantité phénoménale de troupes qu'il y a dans tous les sens parce que ça c'est dangereux en fait, ça craint. Mais il y a du monde. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Qu'est-ce qu'il y a comme monde? D'ailleurs, on va accélérer les déplacements des tyrannides hein, parce que bon, on n'a pas tout le temps. On n'a pas tout notre temps. Ah! Il y a des mecs qui viennent dans mon dos? Bah ouais, allez-y, hein, éclatez-vous. 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 Un petit réflexe, toujours ça de prix. Va falloir qu'on monte hein, sur le truc et qu'on se protège de là-haut. Hein. Clairement. Clairement, clairement. La peu de dégâts, c'est bien, ça m'arrange. Ça, c'est ma stock hein, quand même. Ça, c'est ma stock quand même. C'est très, très, très ma stock. Ah! Allez, éliminez-les, quoi. Faites un effort. Putain, tous les tirs à côté, quoi. Pas un seul qui touche, quoi. Pas un seul qui touche. Mais vous me dégoûtez quand vous faites ça. Allez, toi, tu l'achèves quand même, s'il te plaît. Mais même pas. Mais... Ils sont pas très doués. Ils sont pas très doués. On va dire ça comme ça, mais ils sont vraiment pas très doués. Ah... Alors, on va commencer à s'avancer. On va commencer à s'avancer. Je vais venir par là, parce que je vais commencer à vouloir taper dans le Tyrannophex. Je vais vouloir taper dans le Tyrannophex. En vrai, tape là-dedans. On va commencer à taper là-dedans. Blood Angel, c'est le nom d'un shoot. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste qu'ils ne sont pas très bons. Je sais juste que là, ils ne sont pas très bons. Là, tu me les achèves. Merci. Toi, tu t'avances, tu vas leur filer un coup de heal, par principe, voilà, merci, et tu vas venir du coup ici pour mettre un coup d'épée, ce qui me semble bien,
Coup d'épée, on a dit Jean-Michel. Alors attends. Coup d'épée ou en fait. Non. Là on a quoi, 27. Ah. Là. Là on peut déclencher un peu plus de trucs. Impulsion. Tac. Prends de l'impulsion. Et là. Je peux faire des sprouts normalement. Je vais pouvoir faire des sprouts. Je vais pouvoir faire des sprouts, donc on va faire ça. On va améliorer ça. Voilà. Ce qui m'a l'air génial. Et dans l'idée, j'irai bien taper Jean Michmich. Le chemin n'est pas assez direct. Ah, très bien, génial. Et là, si je m'avance, en vrai, normalement, je peux. Ils sont pas censés me taper puisque c'est des distances. Donc je fais que passer, vous inquiétez pas, hein, je suis juste là. Salut. Et là, on va lui mettre la douille. Là, on va lui mettre la douille. Pouf! Oh! Ah bah, c'était bien! Allez! C'était bien! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Refais ça encore. Alors là, il va peut-être te mettre un coup en retour, par contre. C'est le problème. Oh, le 218 qui pique, hein. Le 218 qui pique, hein. Et il a pas réussi à mettre un coup en retour. Très bien. Toi, élimine ça. Voilà, merci. C'est bien. C'est fort aimable. Donc ça, c'est bon. Là, on a les intercesseurs qu'on va faire avancer. Je vais faire avancer jusqu'ici. Par contre, je crois que je pourrais pas tirer, c'est ça. Si, quand même. Ah, mais c'est de la merde. Et si je fais ça... Allez, on va quand même tenter, parce qu'il y a moyen que je tue le bataillon, il en reste que 3. Allez. Oh, il laisse ça. A tellement peu de vie. Il le laisse à tellement peu de vie que c'en est une honte. Que c'en est une putain de honte. Oh là là. Oh là là. Ah Jean Michmich, tu me déçois. Hein. Allez, tapez là-dedans. Voilà, réduisez un peu les ennemis. Réduisez un peu les ennemis. C'est toujours ça de prix. Venez par là. Toi, avance-toi. Tu vas tirer aussi. Tu es là pour ça. T'as un flingue. Vas-y, élimine-la. Voilà, merci. Élimine-la. Allez. C'est bien. Tu réduis les modèles. Tu réduis les modèles. T'es là pour ça. Hein, donc, c'est bon. Toi. Toi, en vrai, tu vas t'avancer par là. Et alors, tu vas tirer droit dedans. Salut. Voilà, réduis-moi tout ça. Et... Merde, je pouvais réutiliser un truc pour améliorer. Bon, tant pis. Surpuissance, plus un point d'action. Hop. Ouais, t'as l'air d'être chaud, effectivement. T'as l'air d'être très chaud. T'as l'air d'être très 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 chaud. On va te faire avancer, toi. Hop, tire là-dedans. Toi, avance-toi. Ah, bah du coup, surpuissance. En vrai, élimine les E. Voilà. Très bien. Toi, il faut que tu sois assez proche. Hein. Il faut malheureusement que tu sois assez proche. Donc je vais te faire avancer jusque là. Tu pourras pas forcément faire des trucs incroyables, mais bon. 18 à 25 de dégâts psychiques. Ouf. 18 à 24 x 2. Non, 27 à 36 x 3. Je pense que le plus intéressant, c'est peut-être de faire ça. Ou ça. Fais ça. Oh, j'aurais dû l'envoyer ici pour éliminer là-bas. Mais on est trop loin, donc ça marcherait pas. Oh, oh, oh. Pardon. Ça m'a fait rire. C'était un gros spooch. C'était un gros spooch. C'était un très gros spooch.
Toi, je peux pas t'éliminer, hein, malheureusement, ce tour-là. Tu vas pouvoir taper mon héros et ça me rend un peu triste, mais soit. Ah, toi, par contre, tu peux venir essayer de choper Billy. Ah. Ah. Alors, en vrai, je vais essayer de réduire un maximum les unités. Donc, je vais venir là. Et je vais faire Vision de Fureur Angélique, qui fait du dégât de zone. Hop là! Ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Et puis, on va venir tirer là-dedans. Hein. Hop là. Ouais, pas trop mal. Ah, presque éliminé, hein. Presque éliminé le bataillon, hein. On était pas loin. Non, ça c'est pas ouf. Ah, mais je peux taper avec le fuseur, j'ai la portée. Bah, vas-y, hein. Vas-y. Fais-toi plaisir, Coco. Là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à soigner un peu? Si j'avance jusqu'ici, est-ce que je peux tirer sur eux? Non, hein. Et vous avez déjà fait vos actions, hein. Et vous avez pas 60. Parce que encore... Ah, mais non, toi, t'as pas fait tes trucs. Oh, mais t'as pas fait tes actions, toi. Attends, avance-toi. Viens mettre des coups d'épée. Élimine-les. Voilà, très bien. Et en plus, tu gagnes un point de mouvement, il me semble. Non, un point d'action ? Ça doit être un point d'action. Par contre, tu peux pas tirer sur Jean-Paul et tu peux pas tirer là non plus. Triste. Bah toi, du coup, tu vas t'avancer, tu vas soigner. Tu vas soigner par ici, je pense. Ouais, tu vas les remettre full life. Ça me semble bien. Et bah c'est tout. Overwatch. Bon, il reste les deux gros qui vont faire mal. Ah, il y a cette saleté qui vient faire spawn des putains de mines. Alors, est-ce qu'il a tué du monde ou pas? Non. Par contre, il aura fait tellement mal. Ça me dégoûte. Ok. Là, on va venir. Salut. Et on va l'allumer. On va venir vraiment s'approcher et l'allumer. Alors toi, allume-le. Pas mal du tout. Allume-le. Voilà, joli nettoyage. Très bien. Avancez-vous jusqu'ici. Et là... Alors là, déjà, tu peux un peu plus l'allumer. Là, tu ferais quasiment pas de dégâts, ça sert à rien. Donc on va d'abord taper là-dedans. Là, vu que je vise bien, j'en profite. Et derrière, on va quand même tenter l'attaque classique. Avec un peu de chance. Ça réduit les troupes. C'est ce qu'il fallait. Toi, t'es vraiment pas loin. Hein. T'es vraiment pas loin. Et sur un malentendu, en vrai... En vrai de vrai, sur un malentendu, il y a moyen. Allez, 25, c'est tout. Tu peux le faire? Bah oui, tu peux le faire, mais c'est très bien. Alors toi, tu vas arriver droit dans lui. Hein. On tape dedans. Avec le petit marteau. Enfin, petit. Façon de parler. C'est pas si petit que ça. Et tu remets un coup dedans. Pas mal du tout. Toi, utilise les ailes de Sanguinus et viens donc taper dedans. Bam, salut. Oh, si proche. Il lui reste 8 PV. C'était vraiment pas loin.
c'était vraiment pas loin. Et comme c'est pas loin, eh ben, on va dire que on va s'assurer que non. On va s'assurer que non. C'est pas loin. C'est t'es mort. Merci. Voilà. Voilà, voilà. Ah, et vous avez valorisation, pardon. Eh ben, on va taper, hein. Bon, c'est à travers un obstacle, hein, donc je me doutais que ça allait être de la merde, mais j'ai réduit un peu leur vie. Moi, ça me va. En vrai, moi, ça me va. On va venir là. Et on va réduire tout ça. Et on va réduire tout ça. Scrooge. Voilà, merci. Et on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Et essayer de taper là-dedans. Ok. Alors, Billy. Ah, putain, il y a les mines derrière. Il y a les mines derrière. Quelle saleté. Il ça. Il ça. Mettez-vous en défense par là. Mettez-vous en défense par là. Ouais. On va essayer de voir un petit peu quand même pour être en défense à différents endroits. Tac. Et voir un peu globalement ce qui peut nous arriver dans la tronche. Mais je pense que là on est pas mal. Je pense que là globalement on est pas trop mal. Va falloir tenir maintenant, mais c'est bien. Mais c'est bien. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas vouloir te mettre là, voilà. Et toi, tu vas rester ici pour l'instant. Ouais, ça m'a l'air pas mal en vrai. Ça m'a l'air pas mal. Et où ? Va falloir reculer du coup. Il va falloir reculer. Vous allez commencer à revenir vers nous. Vous allez commencer à revenir vers nous. Là, je vous ai fait déplacer au max. Hein. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut juste tenir. Il faut tenir un peu. Ah, eux, ils s'avancent. Aïe, 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 aïe. Ils ont tué quoi ? Ils ont... Ah, ils ont tué mon boss. Ils ont tué Carléon. Et Carléon revient à la vie, mais il est pas bien. Il est pas bien. Carléon, pas bien du tout. Carléon, pas bien du tout. On va venir dire bonjour. Et bonjour. Voilà, venez faire du sprouch parce que là ça craint. Carléon est pas frais. Finito Carléon, oui et non. Il est pas frais du tout. Et surtout s'il essaye de se déplacer, il va mourir, donc non. On va d'abord faire ça, voilà, tac. On va venir le ramener à côté du soignant. On va venir le ramener à côté du soignant. Est-ce que t'as un moyen de booster plus 30 d'impulsion? Ça ferait 90. Est-ce que t'as... Non, t'as plus rien, toi, pour booster. Hein. T'as plus rien pour booster. Est-ce que tu peux t'auto-donner l'impulsion? Non. C'est triste. C'est triste. Parce que toi, il te manque 40 d'impulsion et après, t'es bon, quoi. Et après, t'es bon. Ouais. On va venir se mettre quand même en position pour les allumer. On va venir les allumer. Vous reculez, hein. Reculez bien. Reculez même très bien. Toi, limite, ça me donne envie de te renvoyer là-bas. Pour que t'ailles tirer dans la zone. Et en vrai, je vais le faire. Il a un dégât de zone qui est tellement fort que je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Hop. Là, la petite lance, normalement, elle tape en zone et elle va faire mal. Mais je crois que du coup, ça va pas toucher les autres parce qu'il faudrait être sur le trajet. Bon, déjà, je les ai bien réduits. Je les ai déjà bien réduits.
Allez, vas-y, on va finir au flingue. Alors, par contre, c'est mieux si tu le touches. Voilà, merci. Quand même, accessoirement. Et là... Ok. Finis ça. Voilà, très bien. Ah, surpuissance. Eh ben, surpuissance, tu te mettras du coup en Overwatch. Hein. Tu te mettras du coup en Overwatch. Du coup, j'ai un deuxième soigneur qui est quelque part, qui est là. Frère Eturio. Tu vas venir le soigner en fait. Ah, je vais devoir soigner les deux, hein. Pas le choix. Les deux vont le soigner parce qu'il est vraiment, vraiment mauvais. Là, là, il est pas bien. Il n'est pas bien. Voilà, remettez-lui des PV, remettez-lui des PV. Après, tu te remets dans ce sens-là. Ok. Ok. On se met un peu en vue comme ça. Hop. Essayer de voir un maximum de terrain. Ce serait bien. Ce serait bien, ce serait bien. Venez voir par ici, histoire de vraiment voir un peu proprement tout ce qui traîne autour. Ok. Fin de tour, Overwatch. Ok, là il y a des troupes qui s'amènent. Là il y a des troupes qui s'amènent. Ok. On va remettre un coup de soin parce qu'il est vraiment très bas. Il est vraiment très très bas. Tu vas donner l'impulsion nécessaire à Billy. Yep là. Le prêtre sanguinien est boosté. Donc valorisation. Hop, soin renforcé. Et tu lui donnes plus 80. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal mon coco. On va reprendre ça et venir dire viser ici. Comme ça on élimine les monstres. Tranquillement. Voilà. Prenez-en plein l'os. C'est offert par la maison. Et tire au flingue. Tu devrais les achever. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Tu vas rester avec ça. Tu vas rester comme ça. Donc tac. Tac. En vrai, ça serait bien d'avoir un héros à chaque endroit, je pense. Donc on va venir mettre ça quelque part comme ça. On va faire revenir les héros. On va faire revenir les héros. On va faire revenir les tanks aussi. On va faire revenir les tanks jusque là. On va faire revenir les tanks jusque là. Le tank jusque là. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose là. Et ben, on va valider. Hop, encore un tour derrière et on sera bon. On a des ennemis qui apparaissent et qui viennent mais qui en vont prendre plein l'os. Les chars, c'est utile. Hein. Les chars, ils sont tellement utiles. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a besoin de soigner des gens? En vrai, toi, toi, t'as besoin de te soigner un peu. Hein. Donc, on va faire valorisation, paf, le soin sur toi-même. Hein. Allez, hein. Voilà, full life, c'est mieux. Full life, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Tu vas venir te mettre comme ça. Tu viens te mettre comme ça. Billy, toi qui es là, tu soignes. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Là, on va faire revenir par ici. Parce que du coup, on a vu qu'il y avait du monde en face. Alors, on a du monde en face qui vont manger des grenades surtout. Allez, des bisous hein, surtout. Là, l'ennemi est hors de portée, mais je pense qu'on va juste rester comme ça du coup. Toi par contre, tu peux les allumer un petit peu. Tu peux les allumer un petit peu, donc on va en profiter. Et on va rester sur cette vision là.
on va rester sur cette vision là. Toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. On est d'accord qu'on voit pas grand monde d'autre. On fait fin de tour, Overwatch. Il y a des ennemis qui approchent. Eux bah du coup ils sont en ligne de visée donc ils se font allumer. Très bien, c'était prévu pour. Ils essaient de tirer mais ils ont quasiment mis tous les tirs à côté, très bien. Et du coup on a protégé le site. On a protégé le site de Kindar contre la horde. Alors en vrai, vu que j'arrive pas à les toucher d'ici, on va peut-être juste attendre. On va peut-être juste attendre qu'ils arrivent jusqu'à nous en Overwatch. Enfin, là je vais les achever quand même. Voilà. Bisous. Très bien. Toi. Tu vas venir par ici. Est-ce qu'il y a des ennemis qu'on voit par ici? Il y en a un au nord, c'est tout. Mais du coup, à part lui, sachant qu'il va se faire complètement allumer, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Bientôt 10 ans, MX un morqueur. Et bonjour, Tendu, comment vas-tu? Comment vas-tu? Merci énormément pour le resub. Ça fait déjà 16 mois. 16 mois. C'est ouf. C'est ouf. Merci énormément. Merci énormément pour le resub. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, Tendu. On est sur la fin de Battle Sector. On se rapproche doucement, mais sûrement de la fin. On a perdu le frère Kindar. Il est décédé de décès. Parce que la rage noire a pris le contrôle de son corps. Et du coup, il est parti en ligne droite, en plein milieu du nid des tyrannides. Du coup, il est un peu décédé. Voilà. Il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait quand même beaucoup de monde. Mais franchement, sinon, la partie se passe très très bien. Je suis vraiment très content du jeu. Ah, il y a des ennemis qui ont spawn. Évidemment. Évidemment. Et moi, ça va bien. Et vous donc? Bah, ça va bien. Ça va bien. Et là, il est quoi? Il est 14h. On va pas trop tarder. Bah, dès que la partie est finie, là, on va faire une pause repas. On va aller faire une pause repas parce qu'il se fait faim. Mais sinon, ça va très bien. Ça va très bien. Ah, j'ai pas de munitions. J'ai plus de munitions. Oh, j'ai plus de munitions. Jean-Michel, plus de munitions. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Déjà, on va allumer ça. Voilà, nettoyage intégral. Merci, au revoir. Allez voir ailleurs si j'y suis. Pareil pour là-bas. Hein. Des bisous, hein, mais non. Des bisous, mais non. Toi, bah tape dedans. Toi, tu vas nous faire ce que tu fais de mieux. Tu sautes sur l'ennemi. Sprouch. Voilà. Très bien. Alors, il me disait de protéger le site de Kindar, mais j'ai l'impression que c'est plus valide. Pourquoi? Je sais pas. On n'est pas assez dessus? Il considère qu'on n'est pas assez dessus? Ah, ça me déplaît, ça. Ça me déplaît un peu, là. Et j'ai l'impression qu'il estime qu'on n'est pas assez sur le site. On le protège pas assez. Alors que en vrai, quand même, Coco, on est quand même bien en train de le protéger. On est quand même bien en train de le protéger. On n'a pas d'ennemis, hein, à part ceux qui sont en bas à droite. J'en vois pas d'autres. J'ai l'impression que peut-être la mission est un peu buggée, je ne sais pas. Ou alors il faut juste éliminer les derniers ennemis. Je sais pas trop. Ouf, ouf, le Sprouch. Le Sprouch. Est-ce qu'il faut pas que ça soit mon Carléon qui soit dedans? Bah non, parce que Carléon a baladé en vrai. Carléon a baladé. Je ne sais pas. C'est bon. C'était le dernier. D'accord, fallait juste éliminer le dernier. D'accord, très bien. Bon bah écoutez. Kindar a trouvé le repos. Kindar a donné sa vie pour l'Imperium. L'Empereur connaît son nom. Ouais. Lors de toutes mes années de service, je n'ai jamais vu une telle puissance et une telle rage sans être entravé. Il repose avec Sanguinus maintenant. Venez, frère. Nous allons acculer le tyran, lui enseigner dans les moindres détails la colère de l'host angélique. Carléon, la sœur de bataille en a trop vu. Elle a vu un psyker éprouvé perdre toute maîtrise de soi face à la rage noire. On ne peut pas la laisser sortir d'ici avec ce qu'elle sait. L'Empereur nous guide, frère. Nous aurons d'abord notre vengeance. Nous pouvons décider du sort de la sœur après.
Ah ouais. Ils sont quand même sur le délire de la sœur de bataille, elle a vu trop de trucs. On va l'éliminer. On va la buter. Voilà, c'est notre allié, mais elle a vu trop de trucs, donc on va coupe-coupe, hein. c'est violent quand même. La madame, elle est notre pote, en fait. Elle est quand même un peu beaucoup notre pote. C'est peut-être pas génial comme mouvement de vouloir la buter. Enfin, je sais pas, ça me semblerait pas très bien. Ça me semblerait pas très très bien. Ça me semblerait pas très très bien. Ça, je pense que comme c'est l'Adepta Sororita, ça devrait renforcer également la Sœur Verity. Je pense que ça devrait l'aider. Il me reste des points et je sais pas où les mettre. On va débloquer le missile Typhon. Allez, tiens, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Ici, débloquer le boost sur les agresseurs. Pourquoi pas, mais je n'utilise plus les agresseurs. Pareil, les gantelets Flame Storm, je n'utilise plus. Je n'utilise plus du tout. Donc, Osef. Là, on a quoi? Predator Ball, remplacé par un canon Flame Storm, ça m'intéresse pas. Augmenter. Allez, pourquoi pas un petit bonus? Ça, c'est que les Land Speeder. Donc, Osef comme l'enfer. Osef comme l'enfer. Frère Kindar, il est mort. Il est mort. À quoi ça me sert de débloquer une compétence alors qu'il est mort? Débloquer le lance-flamme sur les Dreadnoughts Furioso, ça m'intéresse pas. Les compagnies de la mort, les renforcer, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, on retombe ici. Renforcer les sœurs de bataille Osef et les séraphines Osef. Bah vous savez quoi, on va dire que je vais débloquer des trucs par là. Je sais pas, pff. En vrai, qu'est-ce que j'en ai à péter des points qui me restent du coup. Allez vas-y, on va mettre ça ici histoire de compléter totalement, on confirme. Il me reste 3 points. Il me reste 3 points que je vais mettre au pif, bah ici, voilà, tiens, très bien. C'est, voilà, histoire de mettre les points. Voilà, c'est vraiment histoire de mettre les points parce que là, j'ai plus grand chose. On n'a pas débloqué de nouvelle armée. On est toujours bien sur notre armée, donc je pense pas la modifier. Elle fonctionne plutôt pas mal. J'ai pas outre mesure envie de l'enlever. J'aime beaucoup beaucoup les intercesseurs. Vraiment, ils sont très efficaces en vrai. Mine de rien, ils sont très efficaces. J'adore les chars balles. Les prédateurs balles font le café vraiment bien. Les inceptors étaient plutôt pas mal. Ils sont toujours pas trop mauvais. Mais je sais pas si du coup c'est pas plus intéressant de les virer pour mettre autre chose. Et si oui, la question c'est quoi ? Le Dreadnought Furioso, en vrai, j'utilise pas souvent, mais quand je l'utilise, c'est cool. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à pas l'utiliser souvent. Il me coûte 195 points. Il me coûte 195 points. Donc si j'enlève le Dreadnought Furioso, je peux pas le remplacer malheureusement par un Predator Baal. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, il me manquera 5 points. Il me manquera 5 points. Parce que ça, en vrai, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. L'archiviste Dreadnoughts aussi est très très efficace. Par contre, je pourrais le remplacer par un autre archiviste. Ah, je pourrais le remplacer par un autre archiviste. Et ça me semble bien. Ça me semble bien. Je vais enlever Jean-Jacques. Donc j'ai 200 points de dispo. J'ai 200 points de dispo. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien en vrai. Et je suis tenté de mettre du coup à la place... Alors, des Inceptors, non. Je viens de les enlever. Je les ai enlevés ou pas? Je sais plus. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Les escouades d'assaut. Ah, c'est vrai que deux escouades d'assaut, en vrai... En vrai, ça peut être pas si mal. D'ailleurs, j'ai mis un pistolet Inferno, mais c'est pas ça que je veux. C'est un lance-flamme. Bah,
c'est soit ça, soit je remets un archiviste en fait. Hein. Et l'archiviste en vrai, il est fort. Hein. L'archiviste, il est fort. L'archiviste est très très fort. On va prendre l'archiviste. On va prendre l'archiviste plutôt. On va prendre l'archiviste plutôt. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous sur cette VOD, sur cet épisode du Let's Play. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Des bisous, ciao ciao ciao.